Guide complet des défis Adobe Fortnite partie 2. Pour la première étape, vous avez 3 emplacements possibles au-dessus de la citadelle. Donc moi, je vais me rendre à l'emplacement le plus proche. Et là, vous allez devoir interagir avec cet hologramme. La deuxième étape va vous demander d'aller au-dessus de la citadelle, donc juste ici. Voilà. Vous allez au-dessus et là, vous allez devoir interagir avec 3 objets. Donc celui-ci, celui-ci et celui-ci. Quand vous avez interagi avec les 3 objets, vous avez un autre défi au même emplacement qui va vous demander d'endommager, de tirer sur les objets pour les réparer. Donc les objets endommagés. Donc là, vous tirez sur les fils. Hein. Parce que si vous tirez sur l'objet, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment tirer sur le fil. Boum. Voilà, quand vous avez tiré sur les 3 objets, vous aurez encore une autre étape à faire, un autre défi qui est de calibrer le capteur. Donc vous interagissez avec le capteur qui est juste là. Hop. Et là, vous aurez terminé le premier défi. Ensuite, prochaine étape, vous allez devoir encore interagir avec un truc holographique. Donc regardez, il y a les 3 emplacements ici. Moi, je vais à celui-ci. Hop, j'interagis avec. Ensuite, vous allez devoir placer les capteurs. Donc vous venez ici sur la carte. Hop. Donc là, je suis un peu en hors zone, mais vous voyez à peu près où ça se trouve. Hein. C'est en dessous de Anvil Square. Et là, vous placez les capteurs. Donc il y en a 1, 2, il y en a 6 au total. Donc faites le tour, hein. Regardez, ils sont indiqués par des points d'exclamation et vous les installez tous les 6. Alors il y en a encore un en plein milieu qu'il faut placer, juste ici. Voilà. Quand vous avez placé les 6, vous avez une autre mission qui va vous demander d'aligner les capteurs stellaires en les endommageant dans le bon ordre. Et ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver déjà une arme parce que vous allez devoir endommager les cadrans. Donc là, regardez, il vous affiche une lune vers la droite, un quart de lune vers la droite. Donc vous devez chercher un quart de lune vers la droite, donc hop, et vous tirez dessus. Ensuite, vous retournez près du cadran, et là, vous voyez une demi-lune vers la droite. Donc, une demi-lune vers la droite. Ensuite, une lune complète, une lune complète. Ensuite, une demi-lune vers la gauche, hop. Un quart de lune vers la gauche. Donc là, hop. Là, normalement, c'est bon. Vous interagissez et vous avez terminé le défi. Ensuite, vous allez devoir réinteragir avec un brasier holographique. Donc regardez, il y en a 3 emplacements ici à côté de la citadelle. Donc voilà, juste ici. Les 3 emplacements. Donc j'interagis avec. Et ensuite, vous avez un autre défi. Donc là, vous allez devoir obtenir 3 objets pour faire office de réceptacle en une seule partie. Donc il y a un objet là, un objet là, un objet là. Donc je vais directement prendre l'objet qui est juste ici. Parce que c'est l'objet qui va être en hors zone, donc je vais me dépêcher à aller le chercher. Vous devez les récupérer en une seule partie, donc ne tardez pas trop, essayez de trouver un véhicule. Hop, là j'en ai trouvé un. J'interagis avec, c'est un coquillage. Et là, je vais chercher le deuxième. Donc le deuxième, il se trouve à Anvil Square, juste ici. C'est parti. Et le deuxième objet, c'est un tacos. Donc le tacos, il se trouve en plein milieu de la ville de Anvil Square. Voilà. Et maintenant, je vais chercher le troisième qui se trouve dans une petite maison. C'est parti. Ok, donc le troisième objet, c'est une petite peluche. Voilà, vous interagissez avec et vous aurez terminé le défi. Ok, donc là, il faudra encore interagir avec un brasier holographique. Donc regardez, il y a 3 emplacements. Un là et un ici. Vous allez à n'importe quel emplacement et vous interagissez avec le brasier holographique. Maintenant, il va falloir récupérer des réceptacles autonomes dans le portail de test d'Amin. Donc le test d'Amin, il se trouve juste ici à Bastion. Donc c'est parti, on s'y rend. Ok, donc à Brutal Bastion, c'est en plein milieu. Et là, en fait, vous allez devoir placer les 3 objets que vous avez récupérés. Donc 1, 2 et 3. Et là, ça terminera le défi. Donc là, on doit attendre. Attendez. Là maintenant, il me demande de récupérer les réceptacles autonomes et observer le résultat. Ok, donc là, je dois récupérer les 3 réceptacles autonomes qui sont à ces 3 emplacements-là. Ok, donc là, je récupère le premier objet. Parfait. Maintenant, je vais aller récupérer le deuxième. Alors, le deuxième objet est juste là. C'est le tacos. Et maintenant, je vais récupérer le troisième objet qui est en bas à droite de la map. Et le troisième objet, c'est le nounours qui s'est transformé. Parfait, donc là j'ai les 3 objets. Et là apparemment j'ai terminé les quêtes de la partie 2. Code créateur SC.